Bonjour, donc voici la page officielle de Trimble qui permettra de télécharger soit les dernières versions de SketchUp ou alors la Make 2017. Je vous ai mis dans la description un lien qui permet d'accéder directement à cette page. Le lien se trouve ici, donc pensez à cliquer sur le plus. Donc il se trouvera à la place ici, directement à la place des chapitres. Donc si vous pouviez penser d'ailleurs à cliquer sur quelques petites pubs pour me soutenir, ça serait sympa de votre part, hein. Je vous remercie. Et pensez aussi à mettre des petits pouces j'aime et à vous abonner pour ne rater aucun tuto qui arriveront par la suite. Alors, lorsque l'on est sur cette page, il faut soit créer un compte chez eux, donc ça c'est gratuit, il n'y a pas de problème. En revanche, il faut une adresse mail valide, car Trimble vous enverra un mail directement avec un lien sur lequel il faudra cliquer pour pouvoir valider votre inscription. Une fois que vous êtes inscrit, donc on clique sur Sign in to Trimble. Il faudra donc taper ici votre adresse mail qui vous a servi à votre inscription. On clique sur Next. Ensuite ici vous tapez donc votre mot de passe et Sign in. Et voici donc toutes les versions disponibles de SketchUp au téléchargement, que ce soit en anglais, en allemand, en espagnol, en français, il y a différentes langues possibles. Ensuite c'est à vous à choisir la version. 2021 jusqu'à 2019 sont payantes, hein, c'est les versions pro. Il n'y a que la 2017 qui est encore gratuite à ce jour. Donc après vous choisissez forcément soit pour Windows, soit pour macOS. Alors attention, c'est du 64 bits pour Windows. Donc si vous avez un vieux PC en 32 bits, ça ne fonctionnera pas malheureusement. Pour télécharger, c'est très simple, on clique sur Download. Et là, voilà, il écrit qu'il est en train de télécharger. C'est parti. Il ne vous restera plus qu'à installer SketchUp et ensuite suivre mes tutos pour apprendre et pouvoir progresser assez facilement. Merci bien et à bientôt.